Bonjour. Je veux un gâteau et baboba. Vous pouvez en faire un? D'accord, pas de problème, j'ai déjà une idée. Tout d'abord, commençons par préparer un gâteau. Je prends un gâteau rose et une crème bleue. Il faut faire deux couches de gâteau pour qu'il soit grand. Parfait. Ensuite, je vais tapisser le gâteau tout autour avec la crème rose. Comme c'est joli ça! Voilà le gâteau rose. Maintenant, je prends le courant à les mains roses. Et je laisse des petits points sur tout le gâteau. Plus il y a de points, mieux c'est. Et ensuite, je vais étaler tous les points de couleur avec un pinceau. J'ai oublié quelque chose, c'est vrai? Je vais casser les sucettes. J'ai une idée géniale pour les décorations. C'est bizarre. Pourquoi j'ai pas réussi avec cette sucette? Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'il fait, Emma? D'accord, je vais l'ouvrir plus tard. Il faut faire fondre le chocolat. Plus il y en a, mieux c'est. Maintenant, je vais le colorer en couleur rose avec le colorant. Oh oui, c'est parfait tout cela. Ensuite, je verse tout ça dans le semi-circulaire en silicone. Je assurerai que tout le monde l'ait uniformément recouvert de chocolat. Lorsque le chocolat a durci, je peux retirer l'hémisphère en chocolat. C'est là que je vais assembler le gâteau. Je vais mettre une couche. Ensuite, je presse la crème. C'est violet, ça. Et je recouvre d'une couche de génoise. J'ai une idée, je vais faire toutes les couches de crème de couleurs différentes. Ça va être une belle coupe multicolore. Alors, je recouvre et j'étale le chocolat sur la couture entre les deux hémisphères de chocolat. Oui. Lorsque vous voyez... Oh, c'est une bombe boba boba en chocolat. Voilà, je peux servir tout cela. Waouh, comme c'est joli, j'adore le caramel, c'est tout ce qu'il me faut. Alors, je verse le caramel fondu sur le ballon. J'attends pour qu'il soit vraiment recouvert de caramel. Et maintenant, je vais me débarrasser de ça. Regardez, j'adore cette beauté. Il ne reste plus qu'à faire tout cela. Quelques traits. Et c'est fait. Alors, ça vous rappelle quoi? Oui, c'est une machine à chewing-gum. L'INSEE doit vraiment adorer tout cela. C'est pas mal, mais il va adorer mon gâteau. Est-ce que vous pouvez faire le gâteau avec baboba? C'est incroyable! Il y a une bombe entière! Quoi? Non, mais est-ce qu'il ne va pas s'écraser? Non, bon, il faut que je coupe. Oh, waouh! C'est tellement coloré à l'intérieur! Mais je voulais que la bombe... Non, mais il faut que je goûte. Le goût, bon, je sais pas. Et maintenant, voilà le deuxième gâteau. Voilà l'hémisphère. C'est cool. Je le casse. Oh, waouh, c'est amusant, ça. Et maintenant, je vais goûter tous ces trucs. C'est bon. Oh, comme c'est coloré à l'intérieur. Et c'est super bon, ça. Voilà le gagnant. Emma, félicitations. Ouais, la victoire est à moi. Merci beaucoup, l'INSEE. Alors, vous êtes prêts? Je veux un gâteau surprise. Voilà. What? C'est un choix intéressant. Bon, voilà. Maintenant, à l'intérieur, je vais faire un trou. Pour cela, j'utilise un pouce spécial.
Voilà, le cercle. Parfait. Alors, voilà. Et maintenant, je prends la confiture. Oui, c'est parfait, ça. Voilà, je le verse dans le trou. Et voilà, tous les morceaux de biscuits. Parfait. Et voilà. Bien sûr, de la crème à la vanille. J'étale le tout. Oh, voilà. J'ai décidé de faire un gâteau en forme de beignet. Oui, c'est ce que Lindsay en veut. J'ai déjà fait la farce. Maintenant, passons à la décoration. Voilà, tout le glaçage. Et avec chaque glaçage, j'ajoute tout cela. Ouais, ça va être super joli tout cela. Je soulève notre moule et on regarde. Voilà, j'ai une super idée pour le gâteau. Bien sûr que je vais mettre le glaçage. Oh, voilà le bleu, le rose. Ah, je vais en mettre beaucoup. C'est tellement appétissant tout cela. Oh oui. Je vais ajouter un peu de rose. Voilà, c'est fait tout ça. Je vais mettre le chocolat dans les moules. Parfait. Maintenant, je l'étale uniformément. C'est fait. Voilà, nos hémisphères. J'y ajoute de la crème fouettée. Et je recouvre tout avec l'autre moitié. Je décore notre gâteau avec ces boules. Tout est fait. Moi aussi, tout est fait pour moi. Vas-y, Lindsay, goûte. Oh, waouh, c'est tellement beau. Je commençais par te baigner, quoi. Alors, je coupe. Oh, waouh! Il est tellement coloré. Et à l'intérieur, c'est de la confiture. C'est super bon, ça. J'en veux d'autres. C'est super bon, ça. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Il faut que je goûte, même avec les mains, hein? Ça a l'air très simple. Et le goût aussi. C'est quoi ces boules? C'est bon, mais rien de spécial. Mabel, t'as gagné, bien sûr. Ah ouais? Merci, la victoire est à moi. Oh, sois pas offensée, Emma. Maintenant, je vais en gâteau surprise pour mon anniversaire. Vous pouvez commencer. Oh, c'est un choix intéressant, je vais y réfléchir. Par où je peux commencer? C'est vrai, je vais commencer par la crème. Je vais commencer par presser de la crème noire. J'espère que Lindsay ne voit pas d'inconvénient des choix aussi audacieux. Ensuite, je découpe le centre du gâteau. Ouais, je le fais avec une moule spéciale. Et ensuite, autour, je recouvre tout avec la crème chocolatée. C'est parfait, ça. Je l'étale. Voilà la farce. Je vais ajouter beaucoup d'M&M's à l'intérieur du gâteau. Ça va être ma surprise. Autour. Oh, je vais mettre des Kit Kat. Et voilà.
Je vais mettre beaucoup de M&M's alors. Oh oui. C'est vraiment le gâteau super cool. Oh, mon gâteau va être avec une vraie surprise. Je vais mettre beaucoup de friandises. Ensuite, je cache tout cela dans le gâteau. Oh, Lindsay va être vraiment très surprise. Hein, ça va être le vrai gâteau avec des friandises. Oh, quelle surprise ça va être! Bien sûr que je vais mettre du glaçage. La crème fouettée. Oh, bien sûr, de la décoration et je peux servir tout ça. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air bizarre. Oh, il y a beaucoup de M&M's. J'adore ces bonbons. Ils sont super cool. J'ai envie d'en goûter. Oh, wow! Les bonbons, il y en a tellement! Hein? C'est très chocolaté, j'aime beaucoup! Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, wow! C'est incroyable! C'est une vraie surprise! Comme c'est cool! Le gâteau est très bon! C'est la victoire, ça! Oh, la victoire est encore à moi. Mais bon, tu vas réussir un jour. Abonne-toi à notre chaîne, mets un like et partage cette vidéo avec tes amis. Écris dans les commentaires quel gâteau t'as aimé le plus.